بسم الله. Donc, bonjour tout le monde. Donc, nous allons commencer ce quatrième épisode de Piglanta 2020. Et pour l'occasion, nous avons un invité spécial. Je le vois quelque part, c'est Zaid. Et pour cause, nous allons parler de quoi cette émission? De l'ECG. De l'ECG. Alors, Zaid, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Prof d'Alcom. Déjà. Déjà, c'est déjà ça. Et bon, votez intelligemment à la fin, lors du conseil. Oui. Merci. J'ai un plaisir parce qu'on a fait ensemble un excellent travail, un bouquin sur le CG. Et ça va chauffer. Pour de vrai, d'accord? Parce que vous êtes les meilleurs, donc il n'y aura pas de questions bêtes. D'accord? Ça va vraiment chauffer. Est-ce que tout le monde est là? Uniflo, ton équipe est au complet? Alors, Mido, ton équipe est au complet ici? Oui, je pense qu'ils sont au complet. Oui. Alors, je t'explique l'équipe des. Ah oui, au stade, là, ça dit une petite remarque. Ça ne va pas être présente avec nous. Eh bien, c'est vous qui. Il n'est pas équitable. Malheureusement, elle a un problème familial. Monsieur Moshke, là, mais quand je place en tête, donc, on va séparer les groupes. Et on va commencer par vous diviser en deux groupes distincts, d'accord? Je mettrai Zay dans un groupe et Toto dans un autre groupe. Allez. Manuellement. Alors, le premier groupe, HK, Kouligna. Selma. Badal. Moi, je pense que c'est un truc pour un pseudo. Je ne pense pas qu'il soit le même. Rita, Hamza, Boutril, Mouad, Mariam, Fatemza nous a quittés et Wahib. Et je mets avec vous, Framboise, je mets avec vous Zaid. C'est bon? Oui, c'est bon. Ça va être un Rouchi, Montassé, Ekmen, Omeima, Sad, Toto et Zineb. C'est bon? On a commencé par quelle salle la dernière fois? Les framboises. Les framboises. Donc, aujourd'hui, on va commencer par les citrons. Donc, citron furum 7. Numéro 7. Voilà, elle est là. Donc, les framboises, je vous dis à tout à l'heure. Ça fait, restez sages. Donc, en fait, moi, je dois cliquer sur rejoindre la salle de conférence. Non, tu rejoins. Anna l'a dit, je vais vous faire rejoindre. Okay. Je ne fais rien, c'est bon. Alors, d'abord, je pars travailler avec les citrons. Je reviens. Ah si, on travaille toujours des thématiques qui n'ont rien à voir avec. Ben c'est ça Piglante. Hein. Pour être un très bon médecin, il faut tout connaître. Qu'on rasque Moussa, les doigts Max ne demande. Mais c'est une magie. D'accord? C'est bon, on est prêt. Et vous allez voir, au bout de 16 jours, après avoir rasque le médecin, les doigts Max, mais très bien. Ça fait, on commence. J'ai dit, qui commence? Alors, bon, puisqu'un Tissa n'est pas présente, on va démarrer par Zineb. Zineb, t'es prête? Prête. Allez, Zineb, décrivez brièvement la conduction, la vasculation du cœur.
Et donc, pour la conduction cardiaque, le cœur a son propre tissu nodal. Donc, ça commence par le nœud sinusal. Puis, on a le nœud atrioventriculaire qui va passer après au niveau du faisceau de His, qui va lui-même se bifurquer en deux rames et après donner les fibres de Purkinje. Pour la vascularisation, donc, on a au niveau de Le l'aorte. bras porté là-dessus, les blocs, les branches. Pardon? Il n'y a pas de précision de données pour les branches. Le faisceau de Purkinje par rapport au faisceau de Purkinje ou au faisceau de His? Là, par rapport au His, tu as dit qu'il fait quoi? Il y a antérieur et il y a la, ah, pardon. Il y a la branche gauche qui se bifurque en deux branches, antérieure et postérieure, et la branche droite qui va se bifurquer directement en faisceau de Purkinje. Vascularisation. Pour la vascularisation, donc ça commence au niveau de l'aorte. On aura l'aorte qui va donner au niveau du côté gauche, on aura le. J'ai oublié le terme. L'artère coronaire, pardon. L'artère coronaire, donc qui va commencer au niveau de l'artère coronaire. Donc l'aorte va donner la coronaire droite et gauche. Et après, elle va donner. À gauche, on aura l'artère interventriculaire antérieure qui va donner elle-même la circonflexe. Et de l'autre côté, on aura l'artère droite qui va donner. Ok, j'ai bugué. Ok, c'est pas. Mehdi. Oui, alors maintenant, on va donner. Maintenant, pardon, c'est la semaine. Altman, vas-y. Tu Oui. décris les principaux territoires électriques du cœur et les dérivations d'iode. Alors, on a généralement le territoire antérieur, le territoire latéral, pour son jauge latéral haut et latéral bas, et on a le territoire inférieur. Alors, en ce qui concerne le territoire inférieur, c'est les dérivations D2 avec F et D3. Le latéral divisé en deux, le latéral haut et le latéral bas. Alors, le latéral bas, c'est V5, V6. Le latéral haut, c'est AVL et D1. Alors, en ce qui concerne le territoire antérieur, on a antéroseptal, où c'est la dérivation V1, V2. Et V3 et l'apical c'est V4. Mehdi? D'accord, après on aura le mot de sa sœur. Montasser? Ils sont les Oui. noms propres qui décrivent les dérivations. Chauffe, les dérivations D1, D2, D3, ça s'appelle dérivation d'Einthoven. Les autres, ça s'appelle comment? C'est donc pour l'AVR, l'AVL et l'AVF. Alors, ils ont des noms propres. Ça dépend de ce que les Khtara. C'est non propre. Oui, dérivation matérielle de Montasser. Donc, dérivation. V1, V6, dérivation précordiale. Non, non. Dérivation précordiale de Monsieur Quéquin. C'est bon, on passe. Allez, Mehdi. Oui, c'est ça. Quels sont les critères de validité d'un ECG? Alors, les critères de validité de l'ECG, la vitesse de déroulement. Là-dessus, quels sont les critères de. Oui, la vitesse de déroulement. Le parasitage. Le voltage. Bon, la vitesse de déroulement, ça va être à 25, conventionnellement, 25 mètres secondes. Ou alekin... Attendez, j'ai confondu. Il 25 millimètres par seconde. ne faut pas s'arrêter. Ok, donc c'est la vitesse de déroulement, le parasitage et l'inversion des fils. Vérifier si on n'a pas l'inversion des fils. Mehdi? Alors, au même par la suite.
Omeima, quatre grands carreaux et deux petits carreaux. Combien en temps et en voltage? Quatre grands carreaux et deux petits carreaux. Omeima, est-ce là? Oui, oui, bien sûr. Je l'avoue. On met Mahdo qui en plus l'atelier. Tu étais assise au premier rang. Ah. Ah oui, c'était il y a 5 mois. 75 battements par minute. Là, là, j'ai dit hein, donc les 4 carreaux, 4 grands carreaux et 2 petits. Et 4 grands carreaux et 2 petits. Pour le savoir, il faut savoir combien un grand carreau dure et combien un petit carreau dure. Bug, c'est bon? Mmh. Allez, Mehdi. Alors, Zineb. Zineb, cite-moi les critères d'un rythme sinusal. Zineb, je t'entends pas. Je t'entends pas. Zineb, active ton audio. Ok, donc pour les critères d'un rythme sinusal, c'est d'abord la présence d'une onde P. C'est que chaque onde P est suivie d'un complexe QRS et que chaque complexe QRS est précédé d'une onde P. Alors, Mehdi? Alors, c'est Atman par la suite. Atman? Oui. Disons la méthode des cadrans. Atteignez les accèdes. Alors, en utilisant la méthode des cadrans, D1 AVF. Alors, D1 positif, AVF positif, c'est l'axe normal, l'axe gauche. Alors, D1 négatif, AVF négatif, c'est un axe droit. C'est un axe hyper droit. Très bien. D1 négatif, AVF positif. Donc le troisième, c'est un axe droit. Très bien, bravo. D1 positif, AVF négatif. Ça peut être ça ou ça? Alors, ça, là, c'est l'axe gauche. Ok, merci. Donc, je vous laisse souffler, d'accord? Et je reviens vers vous, ça fait? D'accord. Ok. Bah, est-ce que je vais vous dire comment ça fait? Non. Je ne sais pas, c'est bon. Validité. Je suis là. Général. Bonjour. Bonjour. C'est bon? On y va? On y va. Ça a chauffé de l'autre côté, vraiment. Ça a vraiment chauffé. Allez, Hamza, qui commence? Mouad. Mouad, allez. Mouad, tu me décris brièvement la conduction et la vascularisation du cœur. Donc, pour la vascularisation, on a l'artère coronaire droite qui vascularise le territoire inférieur et le tronc commun. Le tronc commun se divise en artère circonflexe et l'artère coronaire gauche. Donc, donc, on a l'artère coronarienne droite qui vascularise le territoire inférieur. Oui. Et le tronc commun qui se divise en artère coronarienne gauche et la circonflexe. C'est sûr. Ok, continue. La conduction. La conduction, il y a le nœud sinusal au niveau de l'oreillette droite. Donc, il est automatique. Donc, il génère le flux. Ensuite, il y a transmission au niveau du nœud atrioventriculaire. Puis, au niveau du faisceau de His. Puis, donc, le réseau de Purkinje. Directement? Qui le tronc His, qui se divise en deux faisceaux, droit et gauche. Oui. Et donc, il y a le réseau de Purkinje. Directement? Il n'y a pas de précision de données là-dessus? C'est tout? Le faisceau de His gauche se divise en antérieur et postérieur. Comment ça s'appelle donc les branches? Les mi-branches antéro-gauche, les mi-branches antéro-droite.
Hamza. Mourad. Oui, oui, je vais vous Hamza, attendez le nom. Alors, Badr. Oui. Badr, deuxième question. Ok. Décrivez les principaux territoires électriques du cœur et les dérivations correspondantes. Alors, les principaux territoires électriques du cœur et les dérivations correspondantes. Ça s'appelle les territoires électriques, qui est le territoire inférieur. Les faits les dérivations D2, D3, AVF. Qui est le territoire. Badr? Le territoire inférieur, l'effet D2, D3, AVF. Oui. Oui. Qui est le territoire latéral haut, l'effet D1, au fait AVL. Oui. Ou qui est le territoire V1, V2, les rois antéroceptales, V3, V4, roi apical, ou V5, V6, roi latéral bas. Ou V1, V6, colo. C'est le VLV6 ou le match D1 en AVL, c'est l'antérieur étendu. Mais Hamza, les moras. Alors Hamza, tu sais que les dérivations ils portent un nom propre. Mathalène, D1, D2, D3, c'est un simulant de dérivation d'Eithoven. Quel est le nom propre, Yann Khaled? Alors, AVR, AVL et AVF. Les dérivations de qui? C'est un monsieur qui les a découverts. Maintenant, Radingo, dérivation de Zayt. Maintenant. Bailey. Hein? Bailey. Non, pas Bailey, Zayt. V1 à V6, je pense. Wilson. Éventuellement. Ou AVR, AVL, AVF. On est en train de. Tu n'as pas vu la réponse, Yak? Non, non. Alors, Smith a dit qu'il y a AVR, AVL, AVL. Goldberger. Tu le connaissais? Je ne suis pas sûr, monsieur. On verra bien. Zid Mehdi, Hamza. Alors, Lemora, vas-y, Wahib. Wahib, critère de validité d'un ECG. VVIP, V. Vitesse, voltage, inversion des fils, parasitage. Je précise. Bien sûr. Alors, en fait, la vitesse, on vérifie 25 mm par seconde. Le voltage, on vérifie, c'est 10 mm pour 1 millivolt. Et inversion des fils. Quand je trouve aussi D1 est positif, l'onde P doit être positive en D1. AVR, tout doit être négatif, l'onde P doit être négative en AVR. Et pour le parasitage, le tracé ne doit pas être parasité. Ok. Voilà. Hamza? Alors, Rita. Rita, il y a quatre grands carreaux et deux petits carreaux. Ils font combien de temps et de voltage? Quatre grands carreaux. Un grand carreau. Et deux petits carreaux, ça fait combien de voltage? Alors, un grand carreau fait 0,04 secondes. Donc, quatre grands carreaux, c'est 0,16. Bien sûr. Pardon. 0,2. Le calcul. Donc, et un petit carreau, c'est 0,04. Ça nous fait combien tout ça? Ça nous fait 0,28. Tu es sûr? Il y a quatre grands carreaux et des petits carreaux. Oui. Non, non. Alors, si j'entends une autre réponse, c'est éliminé. Oui, oui. Oui, oui, oui. Ça fait 0,88. En voltage, combien? Et en voltage, 25 mm par seconde. Le voltage? Non. Ah oui. On chuchote pas? Non, non. Là, il y en a, j'entends. Ah, d'accord. Merci, allez, continue. J'ai envie d'y aller. Allez, c'est pas grave. Ça fait 5... Hamza. Mariam.
citer les critères d'un rythme sinusal. Mariam. Mariam. Oui, pardon. Vas-y. Citer les critères d'un rythme sinusal. Alors, les critères d'un rythme sinusal, c'est chaque onde P doit être suivie d'un complexe QRS. Et chaque QRS doit être précédé d'une onde P. Et l'onde P doit être positive. C'est tout? Ok. Hamza. Salma. Quoi? Salma. Salma. Allez, Salma. En utilisant la méthode des cadrans, a-t-il des axes à deux avec? D1 positif et AVF positif, c'est un axe normal. Oui. D1 négatif, AVF positif, c'est négatif. Un axe... D1 négatif, AVF négatif, la deuxième proposition. D1 négatif, AVF positif, c'est un axe droit. Ok. D1 positif, AVF négatif, c'est un axe gauche. Oui. D1 négatif, AVF négatif, je pense que vous faites que vous avez le GHK. Vous avez le GHK. Oui, là, parce que avec le cadran, normalement l'axe du cœur il est là. Oui. Entre gauche, c'est-à-dire qu'il est en haut. Alors, comment on appelle en haut? Comment on appelle en haut? Hyper droit. Okay. Okay. Donc je vous laisse souffler et je pars continuer la deuxième moitié des questions avec les citrons, d'accord? À tout à l'heure. شوف تنمشي عاد عايروني تنمشي داكور نسيتي با دابا اتوندي كو جو كيت دابور حتى ما كيتواش بيان سويتي بو بيان سويتي لي كيس اها كون جو في لا وي وي باسكو اه باسكو يا بلو دو ما كيتقدرش يعاود يرجع اي توا ميدي يس وي ولا ان بون او موفيز نوفيل اللي بغيتي استاذ اون ايفري افوار ان بون نوفيل هذا ولات اون تران دي بيردر 2-1, c'est trop serré. 2-1. 2-1. C'est pas énorme, c'est pas énorme. 2-1 et 4 égalités. Donc 2-1, vous êtes en train de perdre 2-1. C'est bon, on continue? D'accord. Allez, Hamza. Pardon, j'ai dit. Alors, donc, bon, je répète, Zine. D'ailleurs, je vais faire le. Zineb. Quand je vais interpréter une onde P, je vois le raisonnement que je vais suivre. Ok, donc devant une onde P, la première question à se poser, c'est est-ce qu'elle est présente ou elle n'est pas présente. Oui. Donc, si elle n'est pas présente, on va chercher si le rythme, si elle est absente. Donc, on va chercher si le rythme il est régulier ou irrégulier. Oui. Si il est régulier, on va penser à la tachycardie jonctionnelle ou au flutter auriculaire. Si le rythme est irrégulier, on va penser à la CFA. Donc, quand la onde P est présente, on va voir l'amplitude et on va voir la durée. Donc, si la bon, durée... Ça fait, ça fait. Merci. Alors, par la suite, bon, Omeima. Omeima, comment ça peut ces trois messieurs? Omeima, comment s'appellent ces trois messieurs? Je chuchote pas. Maintenant, c'est l'achat Omeima, parle à haute voix. Omeima. Là, pas de chuchotement, s'il vous plaît, fair play. Non, là, on attend, on n'entend pas, on n'entend pas. Là, Omeima. On attend, c'est Omeima. Omeima. Omeima, elle est partie. Je change. Non, tu ne changes pas. Ils ont déjà vu la question. C'est considéré. Omeima. Non, mais. Non, mais c'est toi qui fais les règles. Non, il y a une chef. C'est des problèmes de connexion. Parce qu'il y a non, ça fait pas. C'est non, une maladie. Pas les aventuriers quand ils tombent malades. Non, Omeima, elle est là. Au fait, elle est la mute. Elle est la mute, Omeima. Tu as quel audio? Omeima. Mais moi, je la vois pas. Désolé, je t'en supplie. Dommage pour vous. Allez. Non, s'il vous plaît, Oustad, Oulah, ça ne se fait pas. Oumeima, si Oustad, Oulah, ça ne se fait pas, Oulah. Oumeima, vas-y, sauve-les. Allez, Oumeima, réponds. Comment? Je peux taper.
vu que ma catimoni. سمعتك دابا قولي لا 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 ريبونس. سي واش باركنسون. شكون فيهم واش كون فيهم باركنسون شكون فيهم وايت. لا واه. علي ملي دونك ابري بار لا سويت عثمان. عثمان les différents BAV. Alors, il y a trois types de BAV. BAV de premier degré, de deuxième degré fait deux types, Mobitz 1 et Mobitz 2. Et le troisième degré. Alors, je décris. Oui, oui, rapidement. Alors, le BAV premier degré, c'est un blocage, c'est un allongement de l'espace PR, et qui va être constant. D'accord ? Alors, le BAV deuxième degré, Mobitz 1, c'est un allongement qui va être progressif. D'accord. Alors, le Mobitz BAV 2, Mobitz 2, alors c'est un espace PR qui va être constant, c'est-à-dire l'onde P va être... Alors, c'est un blocage constant. Et le troisième degré, c'est l'onde P qui va être isolée. Mehdi ? D'accord. Bon, 7. 7. Attends, les saisies, il y a les conséquences différentes courses des arythmies. Les saisies. Okay. Les saisies, il y a les différentes les causes. Pour l'antibiote. Alors, je vais évoquer d'abord les arythmies ioniques, les inflammatoires, chimiques. Alors, ionique, inflammatoire, ischémique, iatrogène. Moi, je note tout ça. Ok, iatrogène. Inflammatoire, ionique, ischémique, iatrogène, idiopathique. Idiopathique, n'importe quoi. Et les intoxications. Mehdi. Alors par la suite, on a Zineb. Mehdi, la Zineb. Zineb. Atini, que faire devant un BAV sur le plan thérapeutique? Et on tac 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 tac. Vas-y. On peut proposer donc différentes thérapeutiques. On peut proposer soit ça dépend en fait si c'est un BAV de haut degré ou de bas degré. Oui. Donc si c'est un BAV de haut degré, on doit d'abord le stabiliser. Il faut faire attention à ne pas utiliser l'atropine parce que ça peut le décompenser. Donc je vais le stabiliser et je vais faire un stent. Et si c'est stable, je vais utiliser un pacemaker. C'est un peu d'habitude d'y aller. Sinon, les cardio, ils vont partir. Ils vont partir en cours. Non, je pense qu'elle va vouloir dire autre chose. La prochaine fois, tu vas être éliminé. Zine, comme. Zine, répète doucement. Répète. Ok, donc, devant un BAV, je vais voir si c'est de haut degré ou de bas degré. Si c'est un haut degré, je dois d'abord le stabiliser. Et donc, je dois l'envoyer chez les cardio pour qu'il fasse, je sais pas, une montée de sonde, je sais pas. Ok, ouais. Et pour réanimatrice, tu peux rien faire? Pardon? Et toi, en tant que réanimatrice, tu peux rien faire? Alors, quand même, tu as le cardio. Parce que le cardio, j'imagine que tu acceptes le cardio. On peut utiliser normalement. Je sais pas, on peut utiliser. Ça bug. Allez, Mehdi. Pas grave. Mehdi. Oui, alors c'est par la suite, on va aller vers Othman. Othman, as-tu un critère d'un bloc de branche droit? Alors, un bloc de branche droit, on va le c'est un aspect en M au niveau de V5, de V1, V2, avec un QRS large. Oui. On peut retrouver aussi un... aspect en M, QRS large. Ok, Mehdi. Alors, après, c'est
C'est Omeima. Omeima, Wolf Parkinson Wright. Quels sont les critères de gravité d'une extrasystole ventriculaire? Je parle bien au niveau électrique. Ça t'a fait les extrasystoles. Il y a qu'un seul bois de hack que je ne sais pas grave, mais parfois ça peut être grave. Il me t'a. Vas-y, réfléchis. Je sais que tu sais le faire. Allez. À tête, c'est moi, le terme. Tête, c'est moi. Si elle est répétitive. Si tu veux, oui, très bien. Comment on appelle répétitif? Il peut se répéter tous les combien de. Trois secondes. Là, ça n'a rien à voir que les secondes. Ça peut se répéter toutes les trois. Toutes les trois cycles. Oui, comment on va appeler cette fois-ci? En salle. Comment ça s'appelle tous les trois fois? Je suis sûr que tu as fois. Là, c'est pas grave. Allez. Mais dis. C'est bon, d'accord. C'est toi. C'est toi. Moi? Les deux dernières questions. Voilà, Omeima. Trigimine, ça se met bien quand ça arrive tous les deux. Ah, d'accord. Trigimine, bijimine. On va débriefer. Yalla, Mehdi, pour toi, oui. Les deux dernières questions bonus. Quelles sont les cinq phases du potentiel d'action? Les gens ont le montage pour les jours. J'ai pas assisté avec l'atelier. Quelles sont les cinq phases du potentiel d'action? Tu bugs? Tu t'auto-bugs? Là, j'ai pas envie de dire une bêtise. Alors, les cinq phases. C'est bon, ne dis pas de bêtise. Repolarisation, je suis une hyperpolarisation. En dépolarisation, face plateau. Dépolarisation, puis hyperpolarisation. Mehdi, alors je vais avec le réseau Chouya. Et toi, on va partir à la deuxième question. Bonus. Ok. Quelle est la phase la plus vulnérable durant un cycle cardiaque? La phase diastolique. Non. Je parle d'un cycle cardiaque électrique. Quelle est la phase la plus vulnérable? C'est la phase. Il a déjà fait le moins de petits traumatismes. Après, tu as le commotio cordis. Alors, il a déjà fait le moins de petits impacts, n'importe quoi au niveau du cœur. Le cœur, il part en fibrillation. Quelle est la phase la plus vulnérable? Un intervalle ou là? C'est une phase, le potentiel d'action qui est la plus vulnérable. Mais si j'ai fait les anomalies lymphatiques, la phase, laquelle? C'est pas ta foi. Et pour ceux qui ont fait cardio parmi vous, il y a la foi de Kadiet. Bye bye. Vas-y, dis quelque chose. Dis de phase d'hyperpolarisation, je ne sais pas. Non, je sais pas. Super. Yalla, à tout à l'heure pour le débrief. Mets-moi. Calmez-vous. Yalla, aïeux d'abord. Bye bye. La largeur. Durée. Je suis là. Vous avez été coaché par Zay, je pense. Oui. Zay, il a été très gentil. Hamza, oui. As-tu les deux questions? Bon, c'est Major Film Tawah. Alors, on continue? Oui. Alors, Hamza, je compte. Badr. Oui. Quel est le raisonnement à tenir dans l'interprétation de l'onde P? Donc, Aoul Hajekan Chofouach, l'onde P, elle est présente. Oui. Si elle est présente, si elle n'est pas présente, quand le seul diagnostic ou le F, non, il est présente, c'est une F, avec un rythme irrégulier. Si elle est présente, quand Chofouach, elle est positive ou elle est négative. Donc, deux secondes.
Ni deux secondes. Positif, négatif. Quand je suis positif. Yeah. C'est bon. Hamza. Oui, c'est. Alors, vas-y, Wahib. Wahib. Oui. Comment s'appellent ces trois messieurs? Alors, je pense que. Il a tout mal. D'autres ont répondu. Goldberger, Eindhoven. Non. Eindhoven, Goldberger ou Bailey. Je confirme Bailey. Non, c'est pas la bonne réponse. Alors, Hamza. Les autres ont répondu. À qui je connais à deux mots? Wolf Parkinson White. Bon, dommage. Hamza. Vas-y. Vas-y, Mouad. Mouad, tu vas me décrire les différents aspects électriques des différents BAV. Donc, on a un BAV premier degré. C'est PR allongé. Mais il est donc PR allongé, mais constant. BAV de deuxième degré, c'est Morbitz 1, Morbitz 2. Morbitz 1, le PR s'allonge progressivement. Morbitz 2, il est constant, mais les ondes P sont bloquées. Il peut être même normal. Au 3, on a les ondes P, on a une dissociation entre les ondes P et les complexes QRS. Hamza, vas-y, Rita. Rita, tu vas me dire avec la règle, il y a les CISI, il y a les troubles, oui. Il y a les causes, les différentes causes d'arythmie. Alors, cardiopathie ischémique, une infection, un ionogramme perturbé, idiopathique, iatrogène et une intoxication. Hamza, vas-y, Salma. Salma, tu vas me décrire la conduite thérapeutique devant un BAV, sur le plan thérapeutique. Bon. Vas-y, Selma. Selma. Oui, oui, il y en a, non. Donc, une idée? Donc, j'irai en mode, je vérifierai l'état hémodynamique du patient. Oui. Stabiliser mon malade. Ok. Stabiliser. S'il est instable, je pense que c'est une indication au pacemaker. S'il est quoi? S'il est instable. Je fais un pacemaker, oui. Ok. Hamza. D'accord, Seb. Alors, vas-y, Mariam. Mariam. Oui. Attends, les critères du BBD. Alors, pour les critères du bloc de branche, on a... on a un RSR prime en V1, oui. On a EV2, un aspect en RSR prime, et un RS en V6. Un RS en V6 et un RSR prime en V1, V2. Et oui, c'est tout. Le principal caractère, c'est quoi? C'est le QRS large. Ok. Chkoun Hamza? Hamza, chkoun? Hamza Boutkhil. Boutkhil. Hamza, atteint les critères de gravité. Je charge juste mon ordre. Atteint les critères de gravité d'une ESV. ESV. Les critères de gravité d'une extrasystole ventriculaire. Hein. Je parle bien électrique. Les critères de gravité d'une extrasystole ventriculaire. Sur les critères sur l'ECG. Oui, oui, électrique. Monsieur, peut-être qu'ils sont répétés. Oui. Polymorphes. Oui.
phénomène R sur T. Très, très bien. Pense au Hedin. Monsieur le couplage, le couplage aussi. C'est vrai. OK. Alors d'abord, je passe aux deux questions du coach. Les questions bonus. Hamza, c'est bon, tu es prêt, coach? Tu es prêt? OK, c'est Atteignez les cinq phases du potentiel d'action. Alors, les phases du potentiel d'action, c'est le potentiel de repos, la dépolarisation, la repolarisation, et ensuite, c'est la repolarisation. En fait, qu'est-ce qu'on a une phase d'hyperpolarisation, en fait, qu'est-ce qu'on a une phase de dépolarisation. Donc, non. Puis qu'on a le potentiel de repos, que ce soit la dépolarisation, qui est la repolarisation, il y a la phase dernière. Ensuite, il y a la repolarisation, et parce qu'on a avec la restauration de la balance ionique, on va dire qu'on a une phase d'hyperpolarisation, on va dire qu'on a la phase normale de dépolarisation. La dernière question. La phase dernière de repos, on va dire qu'on a une dépolarisation dernière. À vrai dire, c'est moi le coach, c'est moi qui dois répondre. Tel débrief, je te laisse la parole. Zé, la dernière question. Quelle est la phase la plus vulnérable durant un cycle cadre? Je parle bien au niveau électrique, potentiel d'action. Les phases d'adouf, il n'a pas ça vraiment le cœur, mais c'est une trace. Alors, quand tu vois, il y a le commotio cordis. Une balle de tennis, il entache avec la phase, il peut le manier d'une chiffre. Quelle est la phase la plus vulnérable, Hamza? Je pense la phase de repolarisation. Repolarisation? Repolarisation. OK, on verra. Et alors, on se rejoint tous à la salle principale. Ça fait? مريم حيدكش نجي انا راه بوحدو الفجل مازال Est-ce que tout le monde est là? Oui. On y va pour le débrief? Oui. Alors déjà Beda pour la conduction, Adna, conduction. Vous avez le nœud sinusal avec plusieurs faisceaux qui sont décrits, mais qui va joindre le nœud auriculo-ventriculaire, qui va donner le faisceau de His, qui va se diviser en deux. La branche droite, la branche gauche, qui elle-même, il va se diviser en deux demi-branches, antérieure et postérieure. Pour la vascularisation. Et là, il y avait un petit cafouillage des deux côtés. Il y a deux artères. L'artère coronaire droite qui part vers le territoire inférieur, rien. Voilà, l'artère coronaire gauche que nous appelons tronc commun. Alors, Rita a dit que l'artère coronaire gauche, il va donner l'IVA qui, elle, va donner la circonflexe. Et. Là, c'était pas moi. La Zine. Et Mouad a dit que. Le tronc commun, il donne la circonflexe et l'artère coronaire gauche. Alors que le tronc commun voit l'artère coronaire gauche. Il donne l'IVA. En fait, il donne la circonflexe et l'IVA. Donc pour cette question, je donne une égalité. Parce que les deux, ils ont cité une mauvaise réponse. Allez, on continue. Pour les territoires. Le territoire inférieur, c'est D2, D3, AVF. Territoire antérieur fait septal et apical, V1, V2 et V3, V4. Ouais, le territoire latéral fait le haut et le bas. Le haut, c'est D1, AVL. Le bas, c'est V5, V6. C'est une égalité, ça fait? Okay. Égalité entre Hertzmann et Bode. Les dérivations AVR, AVL, AVF, ça s'appelle dérivation de Goldberger. Les dérivations précordiales, ça s'appelle les dérivations de Wilson. D'accord?
Et là, je donne un point à Hamza qui a reconnu en moi le Wilson. Allez, je continue. Quels sont les critères de validité? C'est le very, very. Vitesse, voltage, inversion d'ici par voltage, c'était une égalité entre Saad et Wahib. Il y a le calcul mental. Omeima, il était très fort en calcul mental parce qu'il n'a répondu à aucune des questions. Il a au moins reconnu le temps. Il n'a pas aucune voltage. Alors écoutez. Un grand carreau, c'est 0,20 secondes. Oui. Et un petit carreau, c'est 0,04 secondes. D'accord? Donc, quatre grands carreaux, c'est 0,80. Et deux petits carreaux, c'est 0,08. Donc, ça nous fait au total 0,88. Pour le voltage. Pour le voltage. Un grand carreau, c'est 0,5 millivolts. Il nous faut deux grands carreaux pour avoir un millivolt. Donc, au total, c'est 2,2 millivolts. Alors, au même, elle est très forte en calcul mental, c'est bon. Donc, je donne le point à Rita quand même. Alors, ensuite, si tu écris d'un rythme sinusal, c'était entre Zineb et Mariam. Alors, Mariam, écoute. Les deux, ils ont dit deux choses. Ils ont dit que chaque P succinctait à QRS et chaque QRS succinctait à Kulminat P. Mais Mariam, il faut dire en plus que l'onde P d'abord doit être présente. Alors, c'est un mot-clé. Toi, tu as dit juste P positif, alors que Zineb a bien précisé que le P doit être présent. Et là, je donne le point à Zineb. D'ici 30. Alors, le récap de Kawet, Inch'Allah, Pygmalion. Le récap de Kawet. Alors là, il y a eu une égalité entre Othman et Selma. C'est très simple. D plus AV plus, c'est axe normal. D moins AVF négatif, c'est un axe hyper droit. D moins AVF plus, c'est un axe droit. D1 plus sur AVF négatif. Alors écoutez, parce que tu as une réorée, la crèche, tu as l'axe de 0,90. Mais normalement, l'axe normal, il peut être moins 30. Moins 30. Ouais. D'accord. Donc avec l'axe, il peut être soit gauche, soit normal. Inch'Allah, je vous fais le récap, c'est moi, Alej. Vous avez vu l'axe normal, c'est de moins 3 à 90. Quand vous commencez les ateliers, ça me sert à l'école de Kadiya ou ça. Donc, je donne une égalité. Ensuite, quel est le raisonnement à tenir de l'interprétation de l'onde P? Alors, Zineb, je pense qu'elle a été bien explicite. Écoutez, d'abord, je vois, est-ce qu'elle est présente ou pas? Si elle est présente, je vais l'interpréter. Si elle n'est pas présente, je vois est-ce que le rythme est irrégulier ou pas. S'il est régulier, c'est une tachycardie jonctionnelle, si le rythme est rapide ou là un flutter. S'il est irrégulier, c'est une fibrillation auriculaire. Et là, je donne le point à Azine, Citron. Alors. Alors, Omeima, je ne sais pas comment il a eu le génie de penser. C'était justement les Wolfpack, messieurs Wolf-Parkinson White. Voilà, et je donne le point à Citron. Désolé, Wahid. Alors, ensuite, les aspects électriques des différents BAV. Donc, pour faire simple, ne lisez pas ça. Pour faire simple, premier degré, PR constant qui est allongé. Mobitz 1, il s'allonge progressivement jusqu'au blocage. Okay. Mobitz 2, le PR peut être constant, mais il y a un blocage régulier. Le 3, il y a une dissociation. Je pense quand même que Mouad a dit deux mots-clés de plus. Il a dit la dissociation et il a parlé aussi du blocage, chose qui n'a pas été dite par Oetmer. Et je donne le point à la framboise quand même. Les CISI. Il y a une égalité parfaite entre Saad et Rita, là je finis plusieurs fois, donc idiopathique, intoxication, iatrogène, ischémique, inflammatoire et ionogène. Alors, devant un BAV, là aussi je vais donner le point au citron, au Zineb, hit le BAV, est-ce qu'il est de bas ou de haut degré? Le mot sur le clé, est-ce qu'il est de haut ou de bas degré? Il a quand même du haut degré, on voit avec Saad, est-ce qu'elle est stable ou pas? Si elle est stable, c'est le pacemaker. Si elle est instable, c'est l'entraînement électrogène. Je m'attendais à ce terme-là, parce que personne ne l'a dit.
Mais comme il y avait des mots-clés qui ont été dites par Zinine, et je donne le point au citron. Ensuite, le critère du BBD, c'était une égalité entre Mélim et Uthman. C'est un QRS large avec un aspect RSR' en V1 et V2. Les critères de gravité, là, je donne le point à la framboise parce qu'il a dit pas mal de bonnes choses, Hamza, Boutrine, par rapport au même. Alors, écoutez, les trois critères de gravité. D'abord, la forme, est-ce qu'elle est polymorphe? Est-ce qu'elle est courbe? C'est ce que nous appelons le phénomène de R sur T. Et enfin, le rythme, est-ce qu'il est bigéminé ou trigéminé? De toute façon, tout ça, vous allez le télécharger sur Pygmalion. On a les coachs. Les cinq phases. Nous avons cinq phases. La phase 0, l'effet A, l'entrée rapide du sodium. La phase 1, repolarisation précoce. La phase 2, le plateau. Il fallait parler du plateau. La phase 3, la repolarisation rapide, ça descend. Et la phase 4, la potentiel de repos. Il y avait une égalité entre les deux parce que Biojon Kanon Kulchi. D'accord. Quelle est la phase la plus vulnérable? C'est. Voilà, je vous laisse le chef. Voilà. Là, tu vois que la phase 3, la repolarisation, c'est la période relative. Alors, si jamais il y a n'importe quel événement à cette phase-là, ça fait le moment qui me suit en fibrillation. C'est bon? Je vous donne le résultat de l'épreuve du confort. Oui. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous deux. C'est l'équité parfaite. Et donc pas de confort. Personne n'aura le confort. Donc la bonne nouvelle, c'est que personne n'aura le confort, d'accord? Ça marche? Non, on ne peut pas l'avoir tous les deux. Une équipe va l'avoir avant l'autre. Oui. Là, voilà. Là, c'est pas équitable maintenant. Alors d'abord, on va partir à l'immunité, d'accord? Voilà, Kina, ça va être vraiment mortel, suivez vos propos. Donc, je pars déjà à Bimen Bdif. Bdina Bhnail Bah. Citron. Donc, je repars d'abord à la framboise. Là, la dernière immunité. Lax. La dernière immunité, c'est Hnail Bdina. Non, c'est framboise. Moi, non, les deux. Ouais, l'épisode qui te lève. Exactement. À partir d'aujourd'hui, l'Ibda le confort, mais l'Ibda l'immunité. D'accord. Alors, Adim, double framboise, ça fait, Adim. Et je commence par. Donc, à tout à l'heure. Je vais ouvrir d'abord les salles. Je vais rejoindre la framboise. Framboise. Oui. Là, tout, c'est. Alors, écoutez-moi bien. Ça va être des cas cliniques de CG, mais vous allez être c'est-à-dire examiné sur 3. Donnez-moi des chiffres au hasard de 1 jusqu'à 6. Au hasard. 2. 5. 5. 5. 4. Donc 3, 4 et 5. Alors écoutez, vous allez jouer individuellement. Couloir de région à la cas clinique. Ça veut dire quoi? Vous allez vous-même désigner les 3. Mais écoutez, si vous perdez l'immunité, un des éliminés va être parmi les 3. Qui fasse? Vous allez désigner 3. Couloir de région à la cas clinique. Yeah? Ah. Un des éliminés va être parmi les 3. Vous allez. D'accord. Allez, je vous laisse 2 minutes pour réfléchir. Est-ce que j'ai le droit à un job, ça? Non, tu es un coach. Tu vas pas, on ne vote pas. Ça, je vous laisse 2 minutes pour réfléchir. Vous avez compris la barrière? Vous avez compris? Monsieur, je vous plaît. Pas de couleur 3. Prochain de un vote ou la règle d'un tirage au sort. À te voter, allez, on a là toutes les 3. Là, vous devez le vote dire comme que nous avons toutes les 3. D'accord. Je reviens. D'accord, c'est une grande différence. Je suis là. Je suis là. Déjà, parce que je dois vous annoncer comment ça va se passer. Alors, les gens qui font. Alors, écoutez. Ça va être 3 cliniques de CG. Mais. Ça va être 3 cliniques de CG. Mais, il y a un mais. Qu'on va être réjoub à la wah. Mais en groupe. Mais, tu vois, vous allez désigner 3 parmi vous qui vont répondre à ces 3 cas cliniques.
D'accord? Sma. Had les trois lettres tختارو. Rebhtou l'immunité, Allah y'aankom. Ma rebhtouch, l'éliminé va être parmi les trois. Vous devez obligatoirement. Il a mal touché l'immunité, donc Tleta a été éliminé minimum واحد en votant sur eux. Donc je vous ai 2 minutes pour réfléchir. Vous avez compris? Non, j'ai une question. J'ai une question. Dis-moi. Je peux faire partir de ces trois et je ne peux pas être éliminé. Non. Non. Tu as le coach, c'est toi qui vas désigner les trois. Soit que ça passe, soit واحد fait comme être éliminé. Il y a là tout. Donc le coach ne va pas participer à l'épreuve. Du tout, mais tu vas les aider pour prendre la bonne décision. C'est un risque. J'ai une bonne quand même nouvelle. Un des trois les volontaires. Si ça passe, le prochain conseil, ils sont immunisés. Ils ont une minute de plus. Vous avez compris? Il y a là tout à l'heure. Systématique avec les trucs. Alors écoutez, je suis là. Smani. Les trois ados, il a le bhtou. Smani. Il a le bhtou l'immunité. Vous êtes immunisé même pour le prochain épisode. Si ça passe pas, ouais, tu commets tout ça. Alors Hamza. On est limité par le temps, professeur. On est limité par le temps. On est limité par le temps. Oui. C'est 2 minutes par cas clinique. Speed. Ah, avant. 2 minutes. Je vais discuter avec. Allez, qui se présente? Ah non, je me porte alors. Wahib. Wahib, qui d'autre? Mouad. Mouad, tu veux? Ah d'accord. D'accord? Oui. D'accord, oui. Fille, Boukia. Et alors, le dernier. Vas-y, Bada. Bada, tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bon, Mariam, Rita, Selma et Hamza, vous êtes sûrs que vous allez faire le prochain épisode. C'est bon? Vous êtes tranquille. D'accord? Vous êtes tranquille. Vous n'allez pas être éliminé de toute façon. Si vous ne passez pas, c'est soit Wahib, soit moi, soit Badr qui va être éjecté. C'est bon? On commence? Pour les gens qui sont éjectés, laissez tout ça, on peut le voter sur tout ça, parce qu'on a 3 qui font d'accord. Oui, c'est ça, Piglan. Alors, on commence avec Wahib. Wahib, tu es prêt? Wahib, chauffe, je demande juste à Wahib de me répondre. Et quel cas clinique tu veux, le 3, le 4 ou le 5? Je voulais choisir. Voilà, on commence par le 3, allez. Je vais partir ouvrir le... Hajda ça, le professeur. Ah, tu sais, là, quoi je sais? Comment t'as servi? Anna, j'ai arrivé le temps d'ouvrir les cas cliniques. Alors, il est où mon fichier? Immunité. Il est là. Donc, on va partir vers le troisième cas clinique. Vous êtes là? Yala, c'est là. Alors, Wahib. Monsieur Youssef, 68 ans. Ayant comme antécédent une cardiopathie ischémique, se présente aux urgences pour une douleur thoracique avec malaise. Youssef dit que sa douleur thoracique est constante, sans irradiation, mais ressent des palpitations très gênantes. L'ABCDE Diallo, l'airway libre, FR20, pas de signe de douleur respiratoire, saturation mziana, auscultation mziana, tachycardie, tension mziana. Le reste, c'est bon. Il n'a pas de signe ni d'insuffisance cardiaque droite ni gauche. Les mollets libres. C'est bon? Ça marche. Je te laisse 30 secondes pour voir le C. Déjà, on a un axe qui est gauche. Alors, tu penses à quoi? On a un axe qui est gauche. À peine diagnostic.
On a un rythme ados, un rythme régulier, pas d'onde P, une tachycardie ventriculaire. C'est une tachycardie ventriculaire. Quels sont les critères qui t'ont permis de retenir la TV? Le QRS est régulier, il n'y a pas d'onde P, le QRS est large, l'amplitude bhal. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces TV chez ce patient? Il a 60 ans, il fait une douleur thoracique, il est gêné, il a une TV. Je fais quoi? Alors, la TV, on voit déjà la stabilité hémodynamique. Je vais voir s'il est stable hémodynamique. Voilà, mais la vignette. Mais vu qu'il est stable, on donne une cardioversion. Avec quoi? De la cordarone. La dose? 300 mg, là. Si tu veux. Qui va passer en deuxième? Alors voilà, c'est une TV. C'est une TV, d'accord. Bon, de toute façon, tu as un petit chauffe le récap. Je voulais aller deux débats. Mouad? D'accord. Tu choisis quel ECG? 5. 5. Vas-y, Mouad. Monsieur Douboul, 72 ans. Comment tester une cardiopathie ischémique et une insuffisance rénale chronique sous hémodialyse périodique? Se présente aux urgences pour malaise et asthénie profonde. Douboul a raté ses deux dernières séances d'hémodialyse pour raison de voyage. Alors, il est polypnéique, pas de signe de lutte respiratoire ni de cyanose, auscultation pulmonaire normale, SpO2 98 à l'air libre. Circulation, il est un peu bradycarde. Tension 100 sur 65, il est un peu confus, agité, le reste c'est bon. Ok, Mouad? D'accord. C'est bon, on y va pour le CG? D'accord. Go. Donc, dans 30 secondes, tu me donnes 30 secondes. 30 secondes, tu le... Vas-y, moi. Donc, Adna, bon, Adna, des ondes T amples et pointues. Oui. Adna, c'est des anomalies. Le segment ST, ça tend vers plutôt une hypercaliémie. Quoi d'autre, tu vois? Un QRS large. C'est chaud. Donc, on a déjà une bradycardie, on a des QRS larges, on a une T ample et pointue. Le bradycardie, il est dû à quoi? Il est dû à quoi, cette bradycardie? Donc, il a raté deux séances d'hémodialyse, donc c'est d'origine métabolique. Ça peut être dû à l'hypercaliémie. Mais... On va voir. Et tu fais quoi par rapport à ce patient? Donc, on va choisir parmi les mesures de l'hypocaliémie. Lesquelles? Pour un patient qui a insuffisance rénale, c'est l'épuration extra-rénale. On peut faire quoi aussi? Donc, il y a des mesures qui font entrer le potassium, l'insuline, le salbutamol. Oui. La caille exhalate, les diurétiques, les diurétiques. Ok, ça marche. Badal? Oui, je suis là.
On va partir à l'ECG numéro 4, ça fait? D'accord. Qui reste? D'accord. Vas-y. Madame Samia, ayant comme antécédent une surcharge pondérale, se présente aux urgences pour une douleur thoracique, soutenue suite à un conflit de voisinage. Bon, Zaida, tu as connu Samia. Samia dit que sa douleur thoracique est constrictive et radiante vers le bras gauche. Samia, tu peux la prendre en photo, Hadi, pour Samia, s'il te plaît. Let's. Et ayant commencé 3 heures avant son admission, voici son ABCDE. Tap, 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 les bradycardes, tout va bien. C'est bon, on y va pour le CG? Non, pas encore. Pas encore. Vas-y. Ok. Ok. Voilà, c'est bon. Vas-y. Alors. Allez, bot. Dans 30 secondes. Dest. Ok, donc, vous avez le contexte clinique, une douleur thoracique aiguë qui a commencé il y a 3 heures avec une sémiologie typique du syndrome coronarien aigu. Elle est constrictive, elle est irradiée vers le bras gauche. Donc, c'est très évocateur d'un syndrome coronarien aigu. Alors, on a principalement un sus décalage D2 ou D3. Ouf AVF, le territoire inférieur, ok. Donc c'est, a priori c'est un syndrome coronarien aigu ST+, le territoire inférieur, mais on va vérifier les critères de validité. Les critères de validité, on vérifie comment D2-D3, ça doit être passé 1 mm, oui. Au terme AVF, ça doit être passé juste 1 mm. Les dérivations précordiales, ça dépasse, donc c'est le premier critère. Le deuxième, au moins deux dérivations contiguës avec un D2, D3, AVF. On a encore l'angle du territoire inférieur, donc le critère sera valide. Ce qu'on permanent, donc c'est un outil de ce genre de 20 minutes, parce que je suis sûr que le sus décalage recevra. Le miroir, alors dans le miroir, il est gêné les dérivations opposées, alors on voit que j'ai vois, on peut dire, le latéral haut, les voies principalement D1 AVL, le sous-décalage des voies le miroir, BMZF AVL, ou chichoui en D1. Bon. On peut l'expliquer par l'idée du territoire inférieur, parce qu'il y a un BRB, qui trace le tronc du faisceau du His, je pense. Tu proposes quoi concrètement chez ce patient? Concrètement? Alors, concrètement, on va appliquer de ACS, de Acute Coronary Syndrome, c'est-à-dire le traitement adjuvant, c'est-à-dire Trin-Trin-La. C'est de le territoire inférieur, c'est principalement le corps droit, le ventricule droit, donc pas de trinitrine, à dire l'eau-là. Les parines, oui, c'est un cadre d'appel les parines, pas de problème. Ah, l'aspirine, c'est un appel à la dose de 250 mg en IV. Je dois donner le clopidogrel, le Flavix. La dose de clopidogrel, elle est à savoir, je vais dire en jour placé ou la rendiro. Thrombolyse. Il est que nous avons dit thrombolyse, nous avons 4 comprimés de 75 mg. Il est que nous avons dit l'angioplastique, c'est 8 comprimés, c'est-à-dire 520 mg pour l'optimal. Il y a, je pense, 600 mg. C'est bon. Alors, c'est bon. Je vous laisse débattre, je vais partir de côté. Ben, Zaid est avec vous, il va pouvoir débriefer avec, tout, avec vous en attendant de voir l'autre groupe. Allez, à tout de suite. Pas de souffle, je suis traitement maintenant. Bon, comme ça vous faites attention, le traitement aussi c'est important. Il peut poser des questions dans le traitement. Bon, qui s'est désigné parmi vous? Bon, en fait, on n'a pas désigné parce que c'était difficile. On a même pas une salle avec nous au stade. Alors, vous gagnez l'immunité pour un autre épisode. Hein, vous êtes sûr d'arriver au 6e épisode? Bon, maintenant au stade Earthman. D'accord. Man, ok. On qui a commence? Zineb. Hein? Qui commence? Ahmed?
لا دابا ماشي ماشي انا قولي عثمان دابا دا شكون بعدا عثمان زينب اي اميمه واخا داكور اي بون جو لور ليس لو شوا دو شوازير كي كومونسي كي فو كومونسي جو فوز اكسبليكي اي افي سي كا كلينيك لا تيراج او سور هما خداو لو كا كلينيك 3 4 5 دونك نتوما غيبقى لكم ال 1 و 2 و 6 كي فو كومونسي بار لو كا كلينيك كي فو دونك بيدي دي زين دري يلا زينب زينب او ميمه عثمان زين او زين tu choisis quel cas clinique le 1 le 2 ou le 6 le 1 go vas-y je partage l'écran et on va commencer le 1 Zineb tu as un patient qui s'appelle Mehdi il a comme antécédent une pleurisie tuberculeuse bien traitée et un tabagisme occasionnel se présentant aux urgences pour une douleur thoracique rétrosternale et atypique, sans irradiation particulière. Le Mehdi a une petite gêne respiratoire, mais elle dit se sentir mieux en position assise, penchée en avant. Son évaluation ABCDE, donc le respi pas mal allé, le circulatoire pas mal allé, le neurologique OK, donc j'ai l'impression que tu vas bien. C'est bon? Monsieur le CG? Je te donne 30 secondes pour lire le CG, après on va discuter. 30 secondes. Ok. Est-ce que les critères La couche chimienne, d'abord l'interprète direct. Je veux un diagnostic probable. Tu as le temps, 30 secondes. Allez. Ok, donc vas-y. Sur le CG, on peut voir un sous-décalage du segment PQ en quelle dérivation donc dans toutes les dérivations en fait surtout en V2 V3 V4 et donc c'est pas tognomonique de la péricardite quoi d'autre tu vois je vois une bradycardie je vois un alors pas vraiment bradycard tranquille un sus décalage du segment ST qui est concave. Où ça? En V2, en V3 et en V6, V5, dans toutes les dérivations. Je vois des ondes de T qui sont amples. Mm-hmm. Et je vois quoi d'autre? Donc, tu penses à quoi? Je pense à une péricardite. Tu fais quoi devant ce patient? Normalement, le traitement, c'est le repos au lit. Je vais lui donner des INS, notamment de l'aspirine. Tu vas avoir une péricardite? Pardon? Tu vas traiter péricardite sur le CG? Non, bien sûr que non. Je dois faire une échographie d'abord. Ok, très très bien. Konde, vas-y. Othman ou Omeima? C'est en même main. En même main, tu choisis le 2 ou le 6? Le 6. Le 6? Ok. Attends, donc c'est un changement de diaporama. Je suis le 6. On va la le 2 juste après. Vas-y. Monsieur Soufiane, 17 ans, ayant comme antécédent un RAA. Se présente aux urgences pour une dyspnée avec asthénie et malaise. Soufiane dit qu'il se sent étouffé et sent que. Ah, tu as dit que tu es avec l'arrière-plan. Alors, le B, elle est assez polypnéique. Elle est très tachycardique. Franchement, tachycardique 170. Il a un roulement foyer mitral. Le neurologique, ça va aller. Au chilafro, ça va aller. Ça va, on y va pour le CG? C'est bon, tu as bien lu la vignette. Hein? Go. Il est valide? Oui, il est valide. D'abord, l'interprétation. Alors, on n'a pas d'onde P. Donc, c'est un rythme qui est non sinusal. Oui.
Il est tachycarde. Avec un rythme irrégulier. Oui. Donc, ça te fait quoi? C'est un BAV total, parce qu'on a un blocage total de l'onde P. Attendez. Tu as dit quoi? C'est une ACFA. C'est une ACFA. C'est une ACFA lente ou rapide? C'est une ACFA rapide. Sur quel critère tu as retenu l'ACFA? Sur l'onde P qui n'est pas présente. Et? Et l'arythmie complète. D'accord. Tu fais quoi par rapport à cette ACFA? On donne des anticoagulants et des antiarythmiques. Ça dépendra de quoi? Si le patient il est stable sur l'état hémodynamique, si son état hémodynamique est stable ou pas. Ok, donc on va passer à Hutman, dernier cas clinique, et ça sera le numéro 2, c'est lui qui reste. Hutman, tu es là? Oui, je suis là, c'est. Vas-y, cher ami. Alors, Sarah, 64 ans, ayant commencé dans une HTA bien équilibrée et un diabète type 2 sous régime et antidiabétique oraux, se présente aux urgences pour une gêne respiratoire modérée et une asthénie. Sarah dit que sa gêne respiratoire survient pour des petits efforts et qu'il a eu une seule fois un épisode de malaise grave. Il a fait carrément 5 ans. Alors, le respiratoire dit qu'elle a pas mal allé et les bradycardes assez. Et neurologiquement, ça va. Le reste, ça va aller. Ça va, Gina? Ok. C'est bon? Oui. Donc, rendez-vous une bande longue en bail labrétien. Alors, déjà, le premier coup d'œil, c'est qu'il est bradycarde. Mm-hmm. Et, alors, l'onde P, elle est présente. Alors c'est un BAV. Quel type? Parce que c'est un BAV troisième degré parce que des fois on retrouve des ondes P isolées sans complexe QRS c'est-à-dire qu'ils sont pas suivis de complexe QRS. Oui. C'est un BAV troisième degré en fait. Tu es sûr? On y va. Oui, c'est. Et quel critère a retenu ça? C'est de la présence d'ondes P isolées sans radar. Déjà, le rythme, il est bradycarde. Et on retrouve des ondes P isolées sans complexe QRS. Alors, ok. Chauffe la bande longue, Tatiani. Chauffe la question. C'est la souris. Elle a de l'onde P. Oui. C'est pas QRS. Oui. Elle m'aura une onde P. Qu'est-ce qui se passe au PR? Il s'allonge. Hadi met sa bâche. Alors, on revient. Hadi, tu toiles, et ça se bloque. C'est un BAV deuxième degré, mobile 1. Et ce BAV troisième degré, il fait que tu as le QRS qui est normal. OK? OK, d'accord, oui. Ce n'est pas le bon diagnostic. Et alors, on va se séparer. D'abord, on rejoint la salle principale. Bon, Mathieu Chalier Z, bien sûr, je sais que vous m'adorez. Mathieu Chalier Z. C'est Mac, effectivement. Merci. Allez, parce qu'il y avait trois cas cliniques différents, mais Anna, j'avais noté à la salle les mots-clés, d'accord? Ok. Franchement, je tiens à féliciter, franchement, Zineb, elle a eu le CG le plus difficile. Et pour qu'elle ait su quand même détecter une péricardie. Zineb, bravo elle. Bravo elle, franchement. Donc, sur le Kouhidet, c'est par comparaison. Donc, on va dire que les citrons ont été bons.
un seul C. Oh, nice. Donc, je déclare la framboise gagnant de l'immunité. Oh! Tabarakallah, alaykoum Badr Wahib. Bravo, ouais. Ils ont excellé le deuxième et troisième CG, un peu moins de citron de leur côté, avec une mention spéciale pour Zine, mais c'est une citron. Donc, framboise. Alors, framboise, chauffe, Wahib, Mouad et Badr. On ne va pas vanter contre vous la prochaine fois, même si vous perdez l'immunité. Vous avez gagné? Vous avez compris? Oui. Deux fois. Là, une seule fois. S'il gagne l'immunité la semaine prochaine. Il s'est perdu. Là, c'est perdu. Un seul épisode. Donc, un répit d'un seul répit. Vous avez le répit pour un seul épisode, c'est celui du cinquième épisode. Donc vous êtes sûr de rester là jusqu'au sixième. C'est bon? Je vous demande de quitter l'émission et je vous dis à demain. Alors, demain, on va faire une émission. Le jeudi, ça va être un repos, parce que je serai de garde la nuit. Donc, demain, jeudi, repos à vendredi. Alors, framboise. Oh, je l'ai suivi. Reste. Tu restes. Encore. Pour aller voir. Pourtant, tu restes aussi. Framboise, disparaissez. C'est quoi le thème? Alain Vodélico. Ça marche. Merci. Bon courage, les amis. Merci. Alors écoutez, Citron, vous allez voter soit contre Zineb, ou Othman, ou Omeima. Et vous allez m'envoyer vos votes en privé. Je répète, vous votez soit contre Zineb. Alors même les intéressés, ils peuvent voter contre Mouchkine. Même les intéressés, ils peuvent voter. Vous allez voter soit contre Zineb, soit contre Othman, soit contre Omeima. Yalla, à vos votes. Alors, Toto qui vote Zayd. Waha, Toto, waha. Là, j'y ai pensé et je me suis dit, je vais te respecter. Ça m'a mal. J'y ai pensé, c'est que je dirais ça. J'arrive, c'est que je. Allez-y. J'attends le vote de Sal et de Montasser. Soyez sûr, je ne vais rien divulguer. Allez-y. C'est pas ça le problème, Ossidra. C'est difficile de se séparer de l'un des trois. Ben, c'est ça le piglant. Hein? Mais pense à toi-même. Il faut que toi gagnes. C'est vrai qu'on a beau, mais je dois gagner. Mais pour le moment, gardez les efforts. Dire. Allez, Barkilia Saad et Montasser. Barry Montasser. Ok. Donc, Aline Haïdou Badazay, parce que ça ne rentre pas. Et on est combien, Mehdi? Vous êtes 5 à voter, hein? Oui. Alors, parce qu'il n'y a pas de César. Alors, le premier vote, c'est contre Omeima. Le deuxième vote, c'est contre Othman. Le troisième vote, c'est contre Omeima. Le quatrième, c'est contre Othman. Un dernier vote, c'est celui qui va départager. Alors, chef, c'est le prochain vote, c'est Zineb, mais dis, c'est toi qui va devoir trancher entre les deux. J'ai compris, Mehdi. Oui, j'ai compris, mais je ne pense pas que ça va se faire. Il y a une égalité des voix, c'est toi qui dois trancher. D'accord? Mm-hmm. Alors, cinquième vote, c'est contre Omeima. Omeima, on va devoir se séparer de toi. Et je te remercie pour ton excellent fair play, parce qu'en plus, Omeima a voté contre elle-même. Donc, bravo, Ali. De toute façon, c'était une excellente aventure avec toi, mais promets-moi, tu vas suivre les émissions, d'accord? T'as envie de nous dire quoi, Omeima? Oui, bien sûr. Non? Vas-y. Je me suis bien amusée. Je me suis fait beaucoup d'amis. L'équipe des Les Citrons. Les Citrons, franchement. Voilà,
I had fun. Thank you. Ok, tu suis l'émission avec nous ou reste maintenant sur WhatsApp, ça fait? Ils encouragent, après maintenant. Je vais faire le rythme, je dis à Diamet, vous êtes prêts à aller, ça fait? Ça marche? Merci. Bye bye. À demain. Mais dis, je m'en rafais si tu en clalis, tu vois ça. Non, mais c'est un homme qui s'arrête, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bye bye. À demain. Bye bye. Mm-hmm.